be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. Father, we thank you for coming together this morning. Père, nous te remercions pour notre rassemblement de ce matin. Thank you for your love and faithfulness in bringing us. Merci pour ton amour et ta fidélité en nous réunissant ici. Thank you for these instructions you'll be bringing to us as men who are seeking discipleship. Merci pour ces instructions que tu nous donnes comme des gens qui recherchent le discipulat. We are looking unto you that you will send us help. Nous comptons sur toi pour nous aider. You will speak clearly to us. Tu nous parleras clairement. You will make your word to mix with faith in our hearts. Tu feras en sorte que ta parole soit mélangée de foi dans notre cœur. You will cause our understanding to become very, very applicable. Et tu feras en sorte que notre compréhension soit pratique. Thank you, Lord, for hearing us. Merci de nous exaucer. In Jesus' name, we are praying. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 I want to thank God for bringing us together. Je rends grâce à Dieu qui nous rassemble ici. And we are going to be having these meetings for a short period every morning. Nous allons avoir cette rencontre là chaque matin, brièvement. And the purpose of it is to deepen our own discipleship experience. Et le but c'est d'approfondir notre expérience de disciple, de discipulat. And for us to have a clearer understanding of what is it that God is drawing us onto. Et aussi pour avoir une compréhension claire des choses dans lesquelles Dieu nous implique. Some of us, by God's grace, we have been exposed at various points. Quelques-uns d'entre nous, par la grâce de Dieu, ont été exposés à différents niveaux. And we have made some progress in our pursuit of Jesus. Et nous avons fait des progrès dans notre quête de Jésus. And we have come to this point. Et nous sommes arrivés à ce niveau. While I was somewhere in Ghana 2 days or 3 days ago, il y a deux ou trois jours, lorsque j'étais au Ghana, I had come across two passages. Je suis tombé sur deux passages bibliques that was re-emphasizing to me the matter of attitude towards discipleship. Qui insistait à nouveau sur la question du discipulat. The proper attitude of a disciple to discipleship. L'attitude convenable d'un disciple envers le discipulat. And what a disciple must do in order to make quick progress in his discipleship. Et ce qu'un disciple doit faire afin de faire des progrès rapides dans son discipulat. You know, discipleship is the means by which God forms a man and makes him ready for his destiny. Si le discipulat est le moyen par lequel Dieu forme une personne et le rend apte à entrer dans sa destinée, then there are certain things the Holy Spirit speaks clearly about that we cannot ignore if we want to make progress. Alors, il y a certaines choses que le Saint-Esprit aborde que nous ne devons pas ignorer si nous voulons progresser. Because discipleship is not just an endless fellowship that has no focus. Parce que le discipulat, ce n'est pas une relation sans objectif. It is a relationship that is focused on becoming like Jesus and becoming useful in his hands. C'est une relation dont le but est de devenir comme Jésus et d'être utile dans son œuvre. It was going to be very important to pick some few important attitudes that a disciple must have in order to make good progress. Donc il est important de souligner quelques attitudes que le disciple doit adopter afin de faire de bons progrès. And there are two or three passages I thought we will be studying very gradually to
bring out those attitudes. Je pense que nous allons étudier deux ou trois passages dans lesquels nous allons faire ressortir ces attitudes-là de façon progressive. The two passages come to us from the book of Lamentation, chapter 3. Les deux passages viennent du livre des Lamentations, chapitre 3. Lamentations, chapter 3. Lamentations, chapitre 3. And when you get to Lamentation chapter 3, et arrivé dans le livre des Lamentations au chapitre 3, I would love you to go and read from verse 25, 26 up to 31. Nous allons lire à partir du verset 25, 26 jusqu'à 31. 25 à 31. When I was reading it, I thought I would love to study it with you from the amplified version of the Bible. I don't know, we don't have amplified in French. We don't, but we will read a bit of it in amplified because of the different issues that it was. Nous allons étudier ce texte dans la version amplifiée en anglais. Donc on va, parce qu'il y a certains points qui ressortent. Chapter 3 from verse 25. Chapitre 3 à partir du verset 25. Up to verse 31. Jusqu'au verset 31. And the way I like us to read it, we'll read it from French first. Nous allons d'abord lire dans la version en français. Now when we get it in French, and we can now begin to read it in amplified. Et après la lecture en français, on va revenir sur la version amplifiée en anglais. Right. Donc, Lamentations chapitre 3, à partir du verset 25 à 31, je lis. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'opprobre. Verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Up to verse 31 already. You have moved very fast. No, that's okay. It means French is fast. Now, but before we start speaking, let's read the passage that we all know in Matthew 11, verse 29 to 30. Mais avant de revenir à ce texte, retournons à un texte qui est bien connu dans les évangiles, Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Would you like to read it again, still in French? Et je lis donc Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Now, when we started talking about discipleship, lorsque nous avons commencé à parler du discipulat, we noticed that every man that God wants to use, nous avons remarqué que toute personne que Dieu veut utiliser, and any man that God wants to do anything tangible with their, in his life, toute personne avec qui Dieu veut faire quelque chose de tangible dans sa vie, the first thing that God offers him, la première chose que Dieu lui offre, he offers him personal discipleship. Say, follow me. Il lui offre un discipulat personnel. Il dit, suis-moi. I will make you. Et je ferai de toi. And we noted that
ever before God will ever use any man. Nous avons remarqué que avant que Dieu n'utilise quelqu'un, this comes as a priority. Ceci vient en priorité. And even though the work of God may be very urgent, quoique l'œuvre de Dieu soit urgente, the making of a man by God comes first. La formation de l'homme par Dieu vient avant tout. And so the Lord Jesus Christ, when he has called the multitude, alors le Seigneur Jésus, lorsqu'il a appelé la foule, he has said to them, come to me, you that labor and are heavy laden, I will give you rest. Il leur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. But now he said, take my yoke upon you. Et maintenant il dit, prenez mon joug sur vous. And learn of me. Et recevez mes instructions. Learn of me. Recevez mes instructions, apprenez de moi. So that you may find rest for your soul. Afin que vous obteniez du repos pour vos âmes. What a man will need to find rest for his own soul. Ce dont un homme a besoin pour le repos de son âme is actually to come under the yoke of discipleship. C'est en fait se mettre sous le joug du discipulat and to be consistent with it. Et d'être consistant avec cela. If a man will really enter into his rest. Pour qu'un homme entre vraiment dans son repos. And if you will not roam around too long in life, et pour ne pas tourner en rond longtemps dans la vie, the earlier you do it, le plus tôt tu le fais, the earlier you enter into it, le plus tôt tu entres dans cette relation. And if you enter into it, et quand tu entres dans cette relation, the more diligent you must be at it, plus tu es déterminé et diligent, so that your progress, afin que tes progrès, will come quickly. Arrive rapidement aussi. And so that the things that God wants to make of you, pour que ce que Dieu veut faire de toi, and the place that God wants to carry you, et les lieux dans lesquels Dieu veut t'emmener, you will get there very quickly. Pour que tu y arrives rapidement. Are we together? Est-ce que vous suivez? Eh? All right. Okay. So, I now want to look at that. If we have taken that Matthew 11, après avoir donc pris Matthieu 11, and he has said, take, où il a dit, prenez, which means, ce qui nobody veut dire, forces it on you. Ce qui veut dire, personne ne t'impose cela. That is what makes the matter of discipleship very critical. C'est ce qui rend l'aspect du discipulat assez critique. Nobody imposes it on a man. Personne n'impose cela à une autre personne. It can be offered to you. Ça peut être offert à quelqu'un. It can be presented to you. On peut te présenter cela. But, mais, you are the one to take it. C'est à toi de le recevoir, de le prendre. Or to leave it. Ou de laisser ou rejeter. So you see, Jesus said, take upon you. Nous voyons donc Jésus qui dit, prenez sur vous. Now, so, when will you take it? That's what I'm dealing with donc, this morning. À quel moment il faut prendre cela? C'est de cela dont nous allons parler ce matin. That's why I want us to go now to Lamentations. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions retourner dans le livre de Lamentations. In the book of Lamentations. Dans le livre de Lamentations. And in chapter 3, verse 27. Au chapitre 3, verset 27. We've read verse 25 to 26. I don't want us to start talking from there. Nous avons déjà lu le verset 25 et 26, et je ne veux pas y revenir. But just to tell you that anybody who waits for God, God is never wicked to them. Mais tout juste pour vous dire que Dieu n'est pas méchant avec tous ceux qui espèrent en lui. There's nobody that brought himself under God's hand, under God's yoke, and is wasted. Il n'y a personne qui vient se mettre sous le joug de Dieu et dont la vie est gaspillée. The Bible says the Lord is good unto those that wait for him. Et la Bible dit que l'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui. To the soul that seeks him. Pour l'âme qui le cherche. Therefore, it is good that a man should both hope and quietly wait. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. But what I'm concerned that I want to be dealing with little by little for this day. Mais ce qui m'intéresse et que je vais aborder progressivement durant ces jours is from that verse 27. C'est à partir du verset 27. Can we take it now? Est-ce que nous pouvons lire cela? Verse 27. Verset 27. In French, can you read it again? En français, il est dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. It is good for a man. Il est bon pour l'homme that he should bear the yoke, de porter le joug
in his youth. Dans sa jeunesse. Now, the Bible said, "Take my yoke upon you." La Bible dit, prenez sur vous mon joug. Now, the Word of God now says, if you want to take that yoke. Et la Bible maintenant précise, si tu veux prendre ce joug. When is it good for you to take it? À quel moment est-ce opportun de prendre ce joug? When? Quand? Hein? When you are young. Quand tu es jeune. In his youth. Dans sa jeunesse. Now, my amplified Bible that I want to read says. Alors voici ce que la version amplifiée dit. It is good for a man. Il est bon pour l'homme. That he should bear the yoke of divine disciplinary dealings. Okay, qu'il prenne le joug de la discipline divine. The bearing. You have left one word there. He said to take. De prendre. That is good for a man. Il est bon pour l'homme the yoke de prendre le joug of divine disciplinary dealings. Okay, de ces rapports. C'est un peu difficile à traduire expressément. Des traitements. Oui. Des choses divines. Des traitements. La discipline divine. Ouais. Okay. Donc, il est bon pour l'homme de prendre tout ce qui concerne la discipline divine dans le rapport avec Dieu. All right. You see, we are not just talking that you did something and they disciplined you. On ne parle pas seulement de la discipline qu'on a lorsque qu'on fait quelque chose. There are dealings. Il y a des rapports, des traitements. Yeah, things that God does to a man's life. Que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. That creates some divine discipline in his life. Qui permettent qu'il soit discipliné dans sa vie. So you see the word even in the Old Testament. Et même dans l'Ancien Testament. When it says it is good for a man to bear the yoke. Quand il est dit qu'il est bon pour l'homme de porter le joug. It's not the yoke of bondage. Ce n'est pas le joug de l'esclavage. It's not the yoke of sickness. Ce n'est pas le joug de la maladie. It's the yoke of discipleship. C'est le joug du discipulat. It is the yoke of divine disciplinary dealings. C'est le joug de toute la discipline divine dans le traitement de Dieu avec l'homme. Dealings that create and inculcate in you the kind of life that is fit for your future. Des traitements et des rapports qui permettent que tu sois apte pour un bon avenir. And that it is good for a man to do so when. Et il est bon pour l'homme de faire cela quand? When. À quel moment? When he is young. Quand il est jeune. Now, the first thing I want to deal with this morning. Donc la première chose que je voulais toucher ce matin. When are you young? À quel moment est-on jeune? When can a disciple says he is young? À quel moment un disciple peut-il dire qu'il est jeune? At first, I thought that to define that somebody is young. It has to be by his chronological age. Au départ, je pensais que cette jeunesse-là concernait l'aspect biologique et physique. But as I started looking very close, mais quand j'ai commencé à considérer de près, I found that the word young, j'ai commencé à voir que le mot jeune is relative. Est relatif. It's relative. Il est relatif. Now, if for example, si par exemple, somebody came here, quelqu'un vient ici. And he's about 75 years of age. Et il a 75 ans environ. Are you hearing me? Est-ce que vous me suivez? And I went to greet him. Et je vais le saluer. How will he address me? Comment il va s'adresser à moi? Talk to me now. Faut me parler. He's 75 years. Il a 75 ans. Say my son. He will say, this young man. Il va dire, ce jeune homme. Il va se dire, ce jeune homme. Am I right? N'est-ce pas? What makes me young? Qu'est-ce qui me rend jeune devant lui? It's because by his own life. C'est par rapport à sa vie. He is 75. Son âge, il a 75 ans. And he looks at me and I'm about 20 years younger. Et il me voit 20 ans plus jeune que lui. And I'm young. Et je suis jeune. Are you understanding? Oui. Now, if my own daughter, et si ma fille, who has already got a daughter, a son, et qui a déjà un fils, when they see me, quand ils me voient, how do they call me? Comment est-ce qu'ils m'appellent? They say, oh papa, ils ont dit, oh voici grand-père, vieux père, comment ils ont dit? They say, grand-papa, ils ont dit, voici grand-père, le grand-père. Now, you see, if you don't understand, donc si nous ne comprenons pas, you might not understand when the Bible says in your youth.
on ne va pas comprendre ce que la Bible dit par dans ta jeunesse. So can I tell you my definition of voilà, voici ma jeunesse de la définition. Anybody, voici ma définition de la jeunesse. Who still has a number of years ahead of him? Quelqu'un qui a encore des années devant lui, and he is still hoping that in 10 years time, or in 15 years time, or in 20 years time, he still wants to be alive. Et qui espère que dans 20 ans, dans 10 ans, il a encore des projets pour être vivant. What is that man today? Cet homme-là, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Hein? He's young. Il est jeune. Oh my God. Are you hearing? Est-ce que vous suivez? Now, what are we saying? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? For everything that lies ahead of you. Pour tout ce qui est à venir. You are a young man towards. Tu es jeune par rapport à cela. The only thing that you are old, la seule chose pour laquelle tu es vieux, is the things that lie behind. Ce sont ces choses qui sont dans le passé, derrière toi. Oh my God. Est-ce que vous suivez? You are not really understanding. On dirait que vous ne comprenez pas bien. Are you getting it properly? I'm getting it. Uh-huh. Now, anything that you are older than, tout ce dont tu es âgé, is what makes you old. C'est ce qui te fait vieux, ce qui te rend vieux. Anything that you are yet to step into, toutes les choses qui sont encore à venir dans lesquelles tu dois entrer. Anything that is ahead of you, tout ce qui est comme projet qui est encore devant toi, makes you young for it. Fait de toi un jeune par rapport à ces choses. So let me ask you, how many people are young here? Alors je pose la question, combien ici sont jeunes? Let me see those that believe that they are young. Je veux voir ceux qui croient qu'ils sont jeunes. There's so much ahead of me. Alléluia. Because there's so much ahead of us. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent. I was just thinking. Je pensais, if for example, si par exemple, in 10 years time, dans les 10 années à venir, God has not yet called us home. Dieu ne nous a pas encore rappelé à la maison. And we are standing still to preach. Et nous sommes toujours là à prêcher. How are we going to talk about 2012 when we will be 2022? Lorsque nous serons en 2022. How are we going to refer comment to this year? Parler par rapport à 2012? How are we going to say? Qu'est-ce qu'on va dire? Say, when we were young. On va dire quand on était jeune. Do you understand that? N'est-ce pas? When we were still young. Quand on était encore jeune. But the truth of the matter. Mais en vérité, is that the years ahead of us? C'est que les années qui sont encore devant nous. Is what determines. C'est ce qui détermine. How young you are. Ta jeunesse. So the Bible now says. Alors la Bible dit. If you want to take upon you, si tu veux prendre sur toi the yoke of divine disciplinary dealings, le joug de la discipline divine dans ses rapports avec that toi, prepares you for your future, qui vont te préparer pour ton avenir, when should you do it? À quel moment il faut le faire? Now that you are young. C'est maintenant que tu es jeune. So that's the first thing I think we should talk about. C'est la première about chose que nous allons aborder dans now, notre discussion. Do you know that discipleship? Est-ce que vous savez que le disciple là, some of you, God began to speak to you about discipleship about 5 years ago. Dieu a commencé à vous parler du disciple là il y a peut-être 5 ans. And do you know that 5 years ago you were younger than what you are? Est-ce que vous savez qu'il y a 5 ans vous étiez encore plus jeune que maintenant, n'est-ce pas? If you have acted that time, si vous avez agi en ce moment là, and you have submitted, et que vous êtes soumis unto the divine disciplinary dealing, au traitement divin de la discipline de Dieu, that was to form and formulate your life, former et former votre vie. Do you know that it will not have been as difficult today? Est-ce que vous savez que ça n'allait pas être aussi difficile maintenant? 5 years ago, it is easier. Il y a 5 ans, c'était encore plus facile. 5 years after, it has become a little more complex. Et 5 ans plus tard, ça devient un peu plus compliqué. I may inform you. Et je dois vous dire, if you don't take the yoke today, et si vous ne prenez pas le joug aujourd'hui, in 5 years time, dans 5 années à venir, it will be a little more difficult. Ce sera encore un peu plus compliqué. Because what you will discover is parce que ce que tu découvres c'est ceci. What you should have achieved, ce que tu aurais pu accomplir, and what you should have been able to walk into, et les choses dans lesquelles tu aurais pu pénétrer,
by the grace of God. Par la grâce de Dieu. At that point, à ce niveau-là, they are still telling you, ces choses-là disent non, qualified. Tu n'es pas encore qualifié, tu n'es pas prêt. Go and settle this. Vas-y d'abord régler cet aspect. Then you will be feeling sober. Et tu vas te sentir mal à l'aise. All this year. Et même toutes ces années-là. Why can't I be used? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être utilisé encore? It's not the question of why can't I be used. Ce n'est pas pourquoi est-ce que je ne peux pas être utilisé. The disciplinary dealings. Oh, que les traitements de la discipline divine. That produces a man for that kind of job. Qui produisent quelqu'un, un homme de Dieu pour un tel travail. You have not taken that yoke. N'ont pas encore eu lieu dans ta vie. T'as pas porté encore ce jour. So while we will be praying together this morning. Donc alors que nous serons en train de prier ce matin. The first thing I want you to see. La première chose que je voudrais que tu vois. Is the divine timing for your disciples. C'est le temps divin de ton disciple là. So can I find out from you if you understand what? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que so can I ask? Je vous pose donc la question. When is it the right time for you to actually bend your head and take the yoke of the divine disciplinary dealings that will prepare you for the future? When do you think it's appropriate? Je pose la question. Selon vous, quel est le moment le plus opportun pour vous trouver et recevoir le joug divin de la discipline de Dieu qui va vous préparer pour les choses que Dieu a pour vous en avenir? À quel moment? Répondez. Maintenant. They are saying now. Let me ask you. Je vous pose une autre question. Is what you are doing now? Okay, c'est ce que vous faites maintenant. Is it more important? Est-ce plus important than your preparation? Que votre préparation for what your future lies ahead? Pour ce qui vous attend dans l'avenir. Because you see, your future will overshadow your today. Parce que votre futur va couvrir votre présent. Do you understand what I'm saying? If you are successful today, si aujourd'hui tu connais du succès, and you became a failure tomorrow, et que tu connais l'échec demain, what are you? Qui es-tu? Talk to me. What are you? Il faut répondre. Oh, you are not talking to me. Si aujourd'hui tu as du succès et demain tu connais l'échec, qui es-tu en ce moment? Tu as un failure ici. So the issue is that what lies ahead of you. Le problème c'est que ce qui vous attend dans l'avenir. Where God is taking you. Là où Dieu veut vous amener. Is more serious and more important. Est encore plus sérieux et plus important. Than where you are now. Que là où vous êtes maintenant. And what you are now. Et ce que vous êtes maintenant. The best you can make of it. Le meilleur de ce que vous pouvez trouver de cela. Is for it to be a training, a preparation for that. Il faut que cela serve à une préparation pour ce qui est à venir. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez maintenant? If what you are now. Si ce que vous êtes maintenant. Is not a foundation for tomorrow. N'est pas un fondement pour l'avenir. It's not a preparation for tomorrow. C'est pas une préparation pour l'avenir. And it's not a training, a fine tuning for tomorrow. Et ce n'est pas une formation pour l'avenir. Then you are wasting today. Alors vous êtes en train de gâcher votre présent. So the need to deal with discipleship. Now that you are young. Donc le besoin de traiter avec le disciple là maintenant que vous êtes jeune. And you can now see that all of us here. Vous voyez maintenant que nous tous ici, regardless of your age, peu importe notre âge, regardless of how many people are calling you papa, peu importe combien de personnes t'appellent papa, if you still have a future, si tu as encore un avenir devant toi, then you are young man. Alors donc tu es un jeune. Hein? Hein? Ok. I met a man the other day, he was 65. J'ai rencontré quelqu'un la dernière fois qui avait 65 ans. And he was believing God that he will still be living until 85. Et il croit, il espère en Dieu pour être vivant jusqu'à 85 ans. And do you know what he was asking me to pray? Vous savez sa prière, sa requête? He said, Brad Billet, il dit, frère Billet, I'm still young. Je suis encore jeune. I want God to help me. Je veux que Dieu m'aide. I want to end very well. Je veux bien finir. And I want to be trained. Et je veux être formé. For whatever will make me to do well in the next 20 years. Pour tout ce qui va me permettre d'être efficace dans les 20 années à venir. A 65-year-old. Quelqu'un qui a 65 ans. Who is longing to live for 20 years. Qui désire vivre jusqu'à encore 20 ans. What does he say to himself? Qu'est-ce qu'il attend de se dire? I'm still young. Il est encore jeune. So if he needed to go for training. Donc s'il avait besoin d'aller pour la formation. Say for 2 years. Même si c'est pour 2 ans. That will make him useful for 20 years. Il le rendra efficace et utile pour les 20 années. If he went for that training at 65. Et s'il va à cette formation à l'âge de 65 ans. Is he wasting his time? Est-ce qu'il attend de gâcher son temps? No.
It's only in our own understanding. C'est selon notre compréhension personnelle that we say to ourselves. Que nous nous disons à nous-mêmes. How long are you going to be going up and down? Jusqu'à quand vas-tu continuer d'aller à gauche et à droite pour la formation? You are too old for training. Tu es assez âgé maintenant pour aller à l'école. As if you are planning to die in the next 2 days. Comme si tu avais projeté de mourir dans les 2 jours qui viennent. If any man wants to live long, si quelqu'un veut vivre longtemps, even if it's for another 10 years, même si c'est pour 10 ans, even if it's another 5 years, si c'est pour 5 ans encore, then you are young enough. Alors donc tu es encore assez jeune. To accept training. Pour accepter de te mettre dans la formation. The divine disciplinary dealings. La discipline divine dans ses traitements avec toi. That will position you. Qui vont te positionner. Effectively. De façon efficace. For what he wants you to do. Pour ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So two things I want to end with before we discuss. Donc, if you have questions. J'ai deux choses à dire avant qu'on ne passe aux discussions. Jesus said, "Take my yoke upon you." Jésus dit, prenez sur vous mon joug. And then Lamentation says. Et le livre de Lamentation dit, it is good. Il est bon that you will bear that yoke. De porter ce joug. When? Quand? In your youth. Dans sa jeunesse. So. I want to stop and pray on that. Je voudrais qu'on arrête pour prier sur ce point. Now, what will you do about that? Okay, qu'est-ce que vas-tu faire donc? I want you to think deeply now. Je voudrais que tu réfléchisses profondément. Do you think you are giving the serious attention? Est-ce que tu penses que tu accordes une attention particulière, sérieuse, to this very important yoke of divine disciplinary dealings that prepares you for your glory? À ce jour déterminant des traitements de la discipline de Dieu qui te prépare pour ton avenir glorieux. Or you are just procrastinating it. Ou bien tu es toujours en train de remettre ça plus tard. Or you are just admiring the yoke. Ou bien tu regardes le jour, tu le regardes la But nuit. You have not brought yourself Mais tu n'étais pas encore soumis à ce jour. You just say, I like discipleship. Tu dis, ah, j'aime le disciple là. But it's too difficult for an old man like me. Mais c'est trop difficile pour un vieil homme comme moi. I wish I knew about it. Oh, j'espère avoir connu. Je souhaitais connaître cela. Before I became a pastor. Avant même de devenir pasteur. But you have just become a pastor for 10 years. Mais tu es pasteur depuis 10 ans. And you still want to serve God for another 30 years. Et tu veux servir Dieu pour les 30 années à venir. How can you say you wish? Mais pourquoi est-ce que tu peux dire que tu aurais souhaité? That what you did 10 years. Que ce que tu as fait dans les 10 années. Is bigger than what you need to do for 30 years. C'est plus important, plus grand que ce qui te reste à faire pour les 30 années à venir. That's a big mistake. Ça c'est une erreur grave. I want to ask you, this is important. Et parce que je vous pose la question parce que c'est très important. Why we are beginning to focus on the francophone nation? Alors que nous sommes en train de nous focaliser sur les nations francophones. Even though by God's grace, quoique par la grâce de Dieu, you have gone to Boko, vous êtes déjà parti à Boko, you have come to Côte d'Ivoire, vous êtes venu ici en Côte d'Ivoire, we have had meetings once in a while, nous avons eu des réunions de temps en temps, but will you want to take this issue of the yoke of discipleship very critically and seriously and say, now that I'm young, now that I have years ahead of me, now that there's so much that God can do with my life, let me put my neck to this yoke of divine disciplinary dealings, which we call discipleship. Est-ce que donc tu veux t'asseoir pour considérer sérieusement l'aspect du discipulat pour dire que maintenant que je suis jeune, alors que j'ai encore des projets pour servir le Seigneur, je veux m'asseoir personnellement pour me soumettre à ce joug du discipulat. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We'll stop here because of our time. À cause du temps, nous allons arrêter ici ce matin. But let's leave room for 2 or 3 questions. Bon, je vais donner la place pour 2 ou 3 réactions des questions. Any question? Y a-t-il des questions? Or any remark that somebody wants to make? Ou bien y a-t-il quelqu'un qui veut faire une remarque? Or any addition that you think you want to make here? Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une contribution particulière? We are just taking that first line. It is good that a man should bear the yoke in his youth. Nous avons touché la première phrase. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. When we come back, we'll be dealing with other things. Yes, sir. As you shared, I began to see afresh. Et tandis que tu partageais, j'ai commencé à voir de façon nouvelle. Why discipleship training can never end.
pourquoi la formation du disciple ne peut pas prendre fin ni s'achever? Why we must keep receiving training for what lies ahead? Pourquoi nous devons être formés pour ce qui est à venir? And why we must keep being trained as long as there is something ahead? Et pourquoi nous devons continuer d'être formés aussi longtemps que nous avons des choses en projet qui sont à venir? And never be ashamed. Et de ne point avoir honte. To accept that we still needed to be made. D'accepter d'être formé, d'être fait. That we still needed to be corrected. Et d'être corrigé, d'être discipliné. That something still needed to change in our life. Il y a toujours quelque chose qui a besoin de changer dans nos vies. Because whatever we are now. Parce que quoi que nous soyons aujourd'hui, we needed to be equipped better for the height we must climb into what is ahead. Nous avons besoin d'un meilleur équipement pour ce qui est encore à venir, qui est élevé. And so the fact that we don't be asking so for how long. Donc on ne peut pas se permettre de poser la question jusqu'à quand, pour combien de temps. Is the training for 2 years or 3 years so that I can plan? Et que cette formation de disciple c'est pour 2 ans, pour 3 ans, pour que je planifie, je programme. That brought that further. Et c'est ce que j'ai compris dans cette intervention. Thank you very much. Merci beaucoup. That was what happened to me also as I came at the word of God. Et c'est ce qui m'est arrivé moi aussi quand je suis tombé sur ce passage. I also just saw that. J'ai compris que anybody that has any number of years ahead of him. Que celui qui a encore des jours à venir. Anybody who needs to do something higher than what he is doing now. Celui qui veut faire quelque chose qui est plus élevé que ce qu'il fait maintenant. Must be discipled for it. Doit être formé, discipliné pour so cela. So for me, discipleship, I'm just entering into it again. Et pour moi, le discipulage, je ne fais qu'entrer encore là-dedans maintenant. Because I'm young. Parce que young. Je suis jeune. Amen. Moi aussi. Moi aussi. Yes, I saw one hand there. Yes. Y a une main. Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659. 0703-